Pas encore, on n'a pas encore changé de voiture et c'est pour ça que les vacances étaient un petit peu compliquées. Du coup, on ne pouvait pas partir en France et voilà. Mais une chose en son temps, on va essayer de regarder ça à la rentrée. Écoute, comme dirait Yaël, le bonheur est partout à qui veut bien le voir. Donc voilà, je me nourris de bonheur simple et quand il y a des coups de mou, ben, je peux toujours compter sur Nico. M'expliquer, ben en fait, je ne l'explique pas. C'était pour moi une évidence. Toujours beaucoup de projets chez nous, mais voilà, c'est notre façon de vivre et on adore ça. Donc voilà, mais un jour après l'autre. Savoir que je suis une grande fan de basket et que les Air Force One Shadow, je les cherchais depuis des mois et des mois et je les ai trouvés sur un site allemand, mais je vous le conseille pas. Donc c'est pour ça que je préfère pas vous le. Alors, je vais pas vous donner la destination, je vais vous donner des indices et je vous partagerai un petit bout de nos vacances. Qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'on part en avion. On a vraiment à cœur avec Nico de voyager beaucoup plus avec nos enfants. On n'a pas pu le faire dans le passé parce que j'ai été beaucoup enceinte, parce qu'on a construit la maison, parce que ça reste un budget, parce que voyager avec une famille nombreuse, ça reste compliqué. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on a à cœur de faire et ça fait partie de nos projets. Donc voilà, c'est notre première vraie grosse destination hors France cet été. Comment vous dire? Beaucoup, 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 beaucoup trop. Voilà, parce que elle est infernale dès que quelqu'un approche sa petite soeur. Elle lui appartiendrait presque. Vous dire que j'ai pris 6 kilos pour les jumeaux et 20 pour Alessio. Mais bon, voilà, c'est des kilos d'amour. Le plus beau souvenir de mon mariage, il y en a beaucoup, mais je dirais le moment où mon père m'a ramenée à l'église et le lâcher de lanterne, qui était pour moi très symbolique. Bon, j'ai écrit les questions les plus pertinentes, ça ira plus vite comme ça. Alors j'ai eu beaucoup la question, est-ce qu'on a acheté un chien? Alors non, on n'a pas acheté de chien, c'est le chien de ma petite sœur, je le disais dans ma story d'hier. D'où l'excitation dans ma maison. Est-ce qu'on est pour ou contre la vaccination? Je pense que c'est propre à chacun. On est vacciné pour des raisons qui sont les nôtres et puis voilà. Est-ce que je suis pour ou contre la chirurgie esthétique? Écoutez, je pense surtout que l'essentiel, c'est d'être bien dans sa peau. En quelle année nous nous sommes mariés? Nous nous sommes mariés en 2016. Le départ dans notre... Le départ de l'émission. Alors, est-ce que le départ de l'émission est définitif? Écoutez, j'ai envie de vous dire que rien n'est définitif dans la vie et que je déteste les adieux. Donc voilà, on va dire que c'est un au revoir.